tous les codes de la lutte sont là. Un ring, des prises musclées, de l'esbrouf. Mais slam, c'est plus encore, puisqu'il s'agit d'une union entre cirque, lutte et théâtre. Un spectacle mis en scène par Robert Lepage au Diamant. Depuis longtemps, moi, j'avais envie de faire un spectacle comme ça, un spectacle gros, un spectacle avec des personnages... parce qu'on sait que le vocabulaire circassien ressemble beaucoup au vocabulaire de la lutte. Alors, depuis longtemps, moi, j'essayais d'amalgamer les deux. C'est le fruit d'un travail avec la compagnie Flip Fabric. 8 acrobates enchaîneront leurs numéros sur scène et dans le ring. Il aura fallu une dizaine de semaines réparties en 2 ans pour créer et peaufiner le spectacle. C'est comme accoucher, pour vrai. Évidemment, bon, je suis papa, mais je ne sais pas c'est quoi accoucher. Mais pour un spectacle, de voir prendre ça, forme, d'être en vie, il manque vraiment juste le public. Les circassiens vont incarner une trentaine de personnages en 5 matchs où les numéros mêleront tragique et comique. Du Diabolo, on l'a vu, un numéro clownesque avec une civière acrobatique. Il y a du main à main. Ça, c'est 2 personnes qui se battent, puis tout d'un coup, ben, ils se tiennent en équilibre les uns sur les autres. Et puis, évidemment, ben, des spécialités de Flip Fabric. Et comme dans un vrai combat de lutte, les rôles sont bien définis. Il y a tous les archétypes. Hein? Il y a l'arbitre, souvent, qui représente la justice. Alors, on sait parfois, la justice, elle se fait bardasser, mais en même temps, parfois, elle est un peu pas tout à fait juste, la justice. Et il y a aussi tous les autres prototypes. Alors, c'est une représentation du monde, si on veut, le monde de la lutte. La musique évoque les années 80, l'âge d'or de la lutte. Le spectacle né à Québec prendra ensuite la route, notamment pour les États-Unis. On est très content de faire ça ici à Québec, à la maison, pour ensuite se diriger vers Montréal. Et après, on a une dizaine de dates à travers la province pour continuer vers l'international dès octobre cette année. Slam prend l'affiche au Diamant mardi et sera présenté jusqu'au samedi 9 mars.